Je suis prêt. Hey, oh. T'as un sacré culot, fils de chien. Putain, mais... Thank you.
¡Qué vergüenza, eso! Je suis prêt à parler de mon rêve. Entendu.
connais le clairvoyant ? Il m'a aidé. Loué soient les dieux. Tu es prêt à te battre, Medjay ? Toujours. C'est réglé. Je suis libre ! Decision, get it. Tu sais vraiment te battre. Le noble héros de Ptah a entamé son dernier voyage. Le taureau a l'air en forme. Raï, les tunnels dont a parlé le clairvoyant. Je suis sur la bonne voie.
Hein, mais que... Hé, l'arme en main. Hey. D'accord. Oh, toi, tu vas crever. Bededuk ani khayet. Numes miojedian. Bededuk ani. Dégagez le passage. Laissez passer. Qui a cette herkefiu? Un ami m'a demandé de te libérer. Antika, qu'est-ce que tu attends? Gagnez-moi un peu de temps. Je dois partir. J'aimerais dire que je suis capable de marcher, mais ce serait mentir. Oublie ton orgueil. Je vais te porter. T'aurais pas dû venir ici.
Je n'ai rien à t'offrir en dehors de mes remerciements. J'ai remis les trois amulettes. Je peux retourner chez le clairvoyant. Laissez le passage. Faites là. As-tu remis les amulettes? Oui. Bien, libérateur. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai vu ce qui hante mon esprit chaque nuit depuis un an. Je commence par une tempête de sable. Je me lève, je franchis un couloir de ruines, je traverse la salle du jugement. Là, mon double dépose un cœur en pierre noire sur la balance de Maat. C'est alors que le dieu serpent m'attaque, Apep, plus grand qu'une montagne, plus vaste que la raison. Un arc fait de lumière apparaît dans mes mains. J'affronte le serpent et je gagne, mais je suis blessé. Puis je remonte à travers des eaux sombres pour faire surface par l'air. Libérateur, aimerais-tu être... La statue. Je vais la rapporter au clairvoyant. Voilà la statue. Nous. Grandis, ô lueur.
Approche, ô lueur. Hein? Le clairvoyant est parti. Comment a-t-il pu quitter l'île? Chuem peram he dimi ne kene kenu ane. Pourquoi pleures-tu? Ta malédiction est levée. Tu as perdu un enfant. Tu dois savoir que la peur d'une mère ne connaît aucun repos. Attends, Neb. Une âme impatiente est une âme troublée. Madame a besoin de fragments d'oiseaux fraîchement tués. Et accepterais-tu d'apporter un talisman de fertilité en faïence bleue? On trouve ce genre d'objet dans une échoppe située au sud du bassin du temple. Je vais aller chercher l'objet rituel. Ensuite, j'irai chasser les oiseaux. Un tombeau abandonné. La servante a dit qu'il y avait une échoppe ici. Drôle d'endroit pour une échoppe. Ah, Neb, bienvenue dans ma boutique. Un Medjay? Quel... Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu de... Pardonne-moi. Mais j'ai quelques affaires à régler, je serai bientôt de retour. Rien de précieux dans cette salle. Pourquoi cette marchande vend-elle des choses aussi communes? Elle cache quelque chose. Tu cherches des... Je ferais mieux de continuer à chercher. Un inventaire. Le talisman en faïence bleue y est inscrit. Dans la deuxième salle, reposent les biens matériels d'Orapollo et Shesh, afin de les protéger et d'assurer leur subsistance. Le message est incomplet. Je me demande ce que dit le reste. Marchand ne voulait pas que je voie cette partie de sa boutique. Il doit s'agir d'objets volés. Un talisman de fertilité. Taïmotep sera contente.
dominer assez longtemps, Medjay. Plus tu me feras courir, plus ça se passera mal pour toi. Tu n'es pas très rapide pour un Medjay. Comment un enfant si petit peut courir si vite? Amené ici pour te débarrasser de ces bandits. Bien sûr, je suis très malin. Tout le monde te le dira. Ce navire ne voguera pas avant longtemps. Ce navire était en cale sèche quand il a brûlé. Des traces d'huile. D'huile. Il a peut-être vu Kawit. C'est le mât du navire qui a brûlé. Une voile de couleur. C'est assez rare. Les enfants sont gardés en cage. Si quelqu'un casse mes jarres, je lui casse la tête! N'approche pas, ou je te casse la tête! Il doit exister un autre moyen de le faire parler. Je vais tout te dire! Par les membres d'Osiris, tu sais te montrer cruel! Je crois que j'ai compris ce qui s'est passé ici. Kawit.
Kawit a volé une jarre d'huile à cet imbécile de marchand, et elle l'a caché en attendant la nuit. Profitant de l'obscurité, elle a versé l'huile dans le navire, et elle y a mis le feu. L'incendie s'est étendu à tout le navire. Pendant que le navire brûlait, Kawit a libéré les enfants retenus sur les quais. Mais les bandits ont dû l'attraper. Le responsable des enlèvements est probablement le propriétaire de ce navire. Voilà cette voile colorée. Les bandits sont à la recherche de l'enfant. Faut mettre le feu au poutail. Il y a des traces. Oh, pas une seule trace. Oh. Quoi? Hein? Mais que... Rien, quoi? Hein? Mais que... Vous avez quelque chose? Quoi? Parle à cet enfant. C'est ton frère qui m'envoie. Pas la clé de ta cellule. Alors dépêche-toi d'aller la prendre à un de ces crétins bandits. La clé, va chercher la... Hey! Sûrement la clé de la cellule de Kawit. J'ai la clé. Alors où? Longue vie à toi. C'est Nev qui t'envoie? Non, c'est Ifri. Où il est? Comment ça?
te tuer. Oh! Marsucha!